Bienvenue dans les Troublions de l'info pour un numéro consacré à la lutte au sommet du pouvoir algérien. Alors, Akram Al-Qaïd, vous êtes journaliste, spécialiste du monde arabe, auteur du livre Retour en Algérie, paru aux éditions Carnet du Nord. Nicolas Beau, vous êtes directeur de Monde Afrique, un habitué de cette émission. Alors, messieurs, on a appris hier l'éviction du général Taoufik, puissant patron des services de renseignement algériens. Alors, comment faut-il interpréter cette éviction? Est-ce que cette éviction modifie l'équilibre du pouvoir entre la présidence de la République et les services de renseignement algériens? Nicolas Beau? Oui, bien sûr, c'est quand même un séisme, parce que Taoufik était là depuis 25 ans. Mais là, comme toujours avec la politique algérienne, on a beaucoup de mal à donner des éléments explicatifs, parce que cet homme, Taoufik, depuis 25 ans, il est craint, il a tous les pouvoirs. C'est lui qui amène Bouteflika au pouvoir, qui le confirme pour le deuxième mandat. Même prononcer son nom en Algérie, enfin son vrai nom, Général Médième, c'est depuis 2-3 ans qu'on ose. Bon, tout le monde, sa photo, on a vu apparaître depuis son éviction sa photo, mais on n'avait pas de photo de Toufik. Comment il s'est laissé déposséder peu à peu de tous les fonctions que possédait le DRS, les enquêtes financières, la garde présidentielle, enfin de toutes sortes de fonctions régaliennes que lui posait. Il s'est laissé déposséder peu à peu. Bouteflika annonçait qu'à terme, il voulait être seul maître à bord, et depuis très longtemps déjà. Pourquoi Toufik, qui possédait un pouvoir formidable, qui est celui des archives? Le DRS, les services AGA, sont connus pour avoir des archives formidables, des fiches qu'ils ont constituées depuis toujours sur tous les politiques, sur tous les hommes d'affaires algériens. Et donc, il était facile pour Toufik de sortir des informations qui auraient gêné ses adversaires. Rien. Il est resté là dans une espèce d'inertie. Ses plus fidèles collaborateurs alliés lui en ont voulu, puisqu'ils étaient peu à peu décimés, cette espèce de valse des généraux. Et lui ne bougeait pas, tel un sphinx, et finalement, hop, il tombe lui aussi. Mais on n'arrive pas à comprendre cette inaction de Toufik pendant tous ces mois, où il voyait bien que la volonté du clan présidentiel allié avec le chef d'état-major Gaïd Selah de le limoger. Oui, alors, comme tu le dis bien, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On a des hypothèses, on a très peu d'informations. Il a fallu attendre un moment pour avoir la confirmation qu'il était d'ailleurs appelé à la retraite, parce que c'est l'expression officielle. Donc, il a été appelé à demander ses droits à la retraite. Ce que je dirais, c'est qu'effectivement, cette lente érosion de ses pouvoirs, elle est due aussi au fait qu'elle n'aurait pas été possible sans l'érosion du système autour de lui. C'est-à-dire qu'un homme, aussi puissant soit-il, ne peut pas agir s'il n'a pas de puissant relais. Donc visiblement, les premières étapes ont été justement, de la part du clan présidentiel allié à l'état-major, ont été de priver Taoufik de relais. Je dirais aussi que peut-être que entre guillemets, pour le bien de l'Algérie, peut-être que il est heureux que nous n'ayons pas connu justement un affrontement peut-être plus frontal entre Taoufik et la présidence, parce qu'on ne sait pas ce que ça aurait donné. On peut se demander si je dirais, cette apathie n'était pas finalement la moins mauvaise des solutions. Alors aujourd'hui, on va où? Parce que c'est le prochain coup. Le système du pouvoir algérien est instable. On a un président qui est malade, dont tout le monde sait qu'il va certainement pas pouvoir se succéder à lui-même. En tout cas, ce serait quelque chose d'assez étonnant. On sait que son frère, même s'il s'en défend, est candidat à la succession. On Oui, voit. le frère joue beaucoup Voilà. les jeunes militaires Voilà. de la génération de 40-50 ans qui sont colonels, qu'il a promu abondamment toutes ces années, peut-être pour faire une espèce de coup de force par rapport à l'establishment militaire que Toufik incarnait, mais que Gaïd Salah, l'actuel chef d'état-major, incarne aussi. Oui, et puis ce serait une première parce que on aurait donc, si Saïd Bouteflika devient président, d'abord on aurait une succession familiale, ce que l'Algérie n'a jamais connu.
Contrairement à ce que voulait faire Moubarak ou ce que voulait faire ou ce qu'a fait Assad en Syrie ou ce que voulait faire, semble-t-il, Ben Ali. Là, pour le coup, ce serait une première. Deuxièmement, ce serait une première parce que Saïd Bouteflika n'est pas un membre de la famille révolutionnaire, hein, comme on l'appelle en Algérie. Il n'est pas militaire, il n'a pas fait la Non, mais guerre il est membre de la famille d'indépendance. financière, parce que Oui, mais la c'est là. grande force de Saïd Bouteflika, c'est d'avoir les Oui. leviers du trésor de guerre algérien. C'est ça qui a fait qu'il a acheté tout le monde toutes ces dernières années, et qu'aujourd'hui, on parle de lui, parce que sinon, il n'a pas d'institution derrière lui, il n'a pas de légitimité. Oui. Pourquoi la succession se ferait entre les gens de Gaïd Salah et Saïd Bouteflika? Saïd Bouteflika, son frère est quand même en toute fin de règne, il est totalement usé, épuisé. Et donc, la force de Saïd, c'est cet argent qu'il a distillé. Mais est-ce que cette éviction du général Taoufik marque un affaiblissement du DRS? Je crois que oui, ça marque un affaiblissement de ce que Boumédien appelait la moelle épinière de l'État algérien, du pouvoir algérien. C'était vraiment cette colonne vertébrale sur laquelle l'État algérien était articulé. Aujourd'hui, maintenant que le DRS est dépossédé de beaucoup de ses prérogatives, il manque, à mon avis, à mon sens, à la vie politique algérienne, son principal régulateur. C'est-à-dire que les conflits qui vont apparaître pour cette succession finissante de Bouteflika ne vont pas être arbitrés par une instance suprême. Je serais plus prudent là-dessus parce que c'est pas la fin du DRS officiellement, c'est la fin, enfin c'est son patron qui a été mis à la retraite et il a un successeur, Oui, qui a été voilà son bras droit, qui a été son c'est la bras même droit, école, c'est la même même si école, se détestait, voilà c'est la même c'est école, la même donc école. le DRS ne disparaît pas. Je ne sais pas ce que le général Tartak, puisqu'il c'est de lui dont il s'agit, je ne sais pas quelles sont ses ambitions, quelle est sa manière de voir. Même si peut-être qu'il a noué des alliances provisoires avec le clan présidentiel. Oui, mais Une il chose. perd beaucoup de sa Je. légitimité et en tout cas de sa force de répressive, puisque aujourd'hui le roi est nu, les noms des généraux sont dans la presse, c'était pas le cas avant. Ils Oui, sont mais. malmenés, le général Hassan, patron de l'antiterrorisme pendant Oui. des années, qui était C'est vrai. craint partout, il est en prison. Oui, non, c'est Il vrai. faut se rappeler que dans les années début du règne de Bouteflika, le général Taoufik avait déclaré tant que je serai là, il n'y aura pas un général qui sera traîné en justice. C'est pas un général-major, pardon. C'est-à-dire pas l'élite militaire doit bénéficier d'une impunité totale. C'était ça la règle du jeu. Là, elle a totalement changé. Quand on voit des généraux interpellés en garde à vue, Oui, là, je emprisonnés. suis d'accord pour le sommet. Je suis plus prudent en ce qui concerne le système lui-même qui irrigue toute la société algérienne et qui existe par capillarité à tous les niveaux, qu'il s'agisse des entreprises publiques, des ministères, des La police administrations, politique, oui. ce qui fut hier la SM et qui je ne peux pas croire que ça puisse disparaître du jour au lendemain. Oui, une police politique, pour être forte, il faut qu'elle ait un chef. Là, elle en Oui, avait mais un depuis 25 ans, c'est possible. incontesté. C'est Là, il n'y a possible. plus de La chef. nature a horreur du vide et on va voir ce qui va en être dans les semaines et dans les mois qui viennent. Shadi Ben Jdid, à son époque, avait déjà réorganisé à sa manière les services secrets. Il avait essayé déjà de saper, en tout cas de minorer une partie des services, enfin des attributions de la sécurité militaire. Et beaucoup d'Algériens, c'est une analyse que je ne partage pas, mais qui mérite d'être rappelé, beaucoup d'Algériens estiment que la vague de terreur des années 60, des années 90, en tout cas le fait que le système ait failli ait été aussi secoué, est une des conséquences du fait que de la réorganisation de la sécurité militaire dans les années 80. Beaucoup de gens disent aujourd'hui aussi que ce qui s'est passé par exemple en 2013, donc l'attaque du centre Gazier. pétrolier gazier est effectivement à mettre au passif des services de sécurité. Ça a été d'ailleurs le discours tenu par l'entourage du président quand c'est arrivé, quand ensuite le secrétaire général du FLN, Saïd Hani, a mené sa charge Oui, y contre compris pour Taoufik. incapacité à préserver la sécurité du Voilà, Sikadé. Je pense que cet voilà. argument a été repris
auprès des alliés français et américains complètement, pour justifier le fait qu'on dépossède peu à peu Toufik de ses prérogatives. Alors regardez comment ils traitent, ça a été une boucherie quand même, en l'occurrence le site de Gazi où des dizaines d'otages sont morts. Mais en même temps, ça peut être aussi vu de manière inverse, ça peut être aussi vu comme étant la conséquence justement de cette guerre que menait le clan présidentiel Ah oui, parce que là, le DRS a coupé toutes les communications téléphoniques qui le reliaient à la présidence et dit « laissez-moi, on règle le problème ». On règle le problème. Réponse, non, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes et on va expliquer à nos alliés qu'ils nous aident à vous écarter. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance du pouvoir français. Et il faut quand même se souvenir que le président Hollande est extrêmement proche de la présidence algérienne et que le patron de la DGSE française, des services français, l'équivalent du DRS, Monsieur Barjollet a été ambassadeur en Algérie, a eu son premier poste diplomatique en Algérie alors que François Hollande était en stage de l'ENA en Algérie et qu'il est inconsciemment extrêmement pro-algérien. Et qu'il suit comme l'est sur le feu les initiatives du président Bouteflika et de son frère Saïd qui ont porte ouverte chez lui quand il le souhaite et qui ont son soutien total aujourd'hui. Mais comment expliquez-vous que le système politique algérien parvient toujours à se régénérer ? Il se régénère jusqu'à ce qu'il y ait une crise du baril du pétrole comme c'est le cas aujourd'hui parce qu'il s'est régénéré. Surtout en achetant la paix sociale toutes ces dernières années. Mmh. Aujourd'hui, avec la chute du baril, la crise qui s'annonce, il n'a plus de quoi. On estime à 40 milliards, ce qui va devoir être prélevé sur les réserves, autour de 200 milliards. Donc ils ont 5 années devant eux et donc ils vont serrer toutes les dépenses. Oui. Et là, la tension sociale va être telle que, à mon avis, le pouvoir algérien est face à une plus grande épreuve que n'a été par exemple le printemps arabe, où ils avaient encore à ce moment-là de quoi calmer les ardeurs des contestateurs. Oui. Non, c'est sûr que la manne pétrolière permet d'avoir une certaine stabilité, ça c'est clair. De l'autre côté, c'est un système qui, de toutes les façons, a toujours réussi au cours des 20 ou 30 dernières années, a toujours trouvé, quelle que soit l'opposition entre les différents clans, a toujours trouvé un consensus et a toujours trouvé une solution qui fait que la majorité est satisfaite et que les récalcitrants sont mis de côté. Et souvent, ce système aussi avait pour force de ne jamais étaler ces divisions à l'extérieur. C'est-à-dire que on est un clan de clans, une espèce de confédération de clans, mais dans le même système. La nouveauté ces dernières années, et c'est lié avec l'avènement des réseaux sociaux, de la multiplicité des titres de presse, des ambitions affichées, mais aussi de cette atmosphère de fin de règne, c'est-à-dire d'un président malade, peu présent, la nouveauté, c'est qu'on a vu l'étalage des différences et des affichages d'ambition au grand jour. Et la corruption aussi, puisque chaque clan attaquait l'autre sur la base de dossiers. Sur l'instrumentalisation d'affaires de corruption qui sont mises au goût du jour et qui disparaissent du jour au lendemain. Parfois, ça vient de l'extérieur quand c'est la presse italienne ou la justice italienne qui met ça. Donc, on a comme ça un emballement et puis ça se calme. Donc, ça, c'est la nouveauté. Et c'est en cela qu'on est dans un système, je dirais, qui a rompu son point d'équilibre, qui est à la recherche d'un point d'équilibre. Et c'est pour ça que ce qui va se passer au cours des prochains mois, des prochaines semaines, va être déterminant, même si dans l'Algérie actuellement, on vit dans l'attente, c'est-à-dire qu'on vit dans l'attente du prochain coup. Donc là, tout le monde savait plus ou moins que Toufik allait partir, puisque ça fait un moment que c'est annoncé que toutes ces initiatives qui n'auraient jamais pu avoir lieu il y a quelques années ont eu lieu, c'est-à-dire des gens qui l'ont attaqué de manière nominative, des sites qui publient sa photo, etc. Donc la prochaine, c'est quoi ? La prochaine, c'est la succession. Comment les uns et les autres vont se positionner pour la succession et à dire vrai, tout est possible. Nicolas Bois, un mot de conclusion ? Je pense que le président Bouteflika doit trouver son successeur assez vite, sinon plus il attend, plus le risque d'emballement est là. Ouais. Merci à vous, messieurs. Donc à très bientôt pour un autre numéro des Troubillons de l'Info.